préparation de la natte de raffia pour pouvoir exécuter nos greffes. Donc on déballe. Logiquement. On trouve les extrémités. On la peigne. Pour obtenir une seule note. Évidemment, on récupère celle qui tombe. On attache une extrémité. Sans trop serrer. On fait une deuxième attache en serrant plus fort pour récupérer les bouts qui ne sont pas de la même dimension. On coupe pour voir notre extrémité. Et nous allons attacher sans serrer tout le long de la natte. C'est pas facile. Un raffia sec est très cassant. Non, en serrant. Ensuite, on compte entre 50 et 60 cm à peu près. Notre nappe est presque prête. Ensuite, pour que le raffia
ne casse pas. Il faut l'humidifier. On enroule dans du papier journal. En laissant dépasser à côté pour pouvoir tirer les brins de rafia. Ensuite, et on arrose abondamment. On enlève le surplus d'eau. Et dans 10 minutes, notre natte sera prête. On la conserve dans du plastique, comme les greffons, pour garder l'humidité. Et tous les soirs, une fois que la greffe est finie, il faut sortir les raffias du journal mouillé. Il se pourrait qu'ils pourrissent. Ça, c'est pas indispensable.